La cinquième course est le prix de Fontainebleau, épreuve préparatoire à la prochaine poule d'essai des poulains. Il s'élance avec à la corde le 7 Tant Autant qui a pris un bon départ. Bon départ également pour le numéro 3, Mister Iceman. Le favori de la course, c'est Salto. Il est pour le moment parmi les derniers en compagnie du numéro 6, Chopsoy, avec Mister Iceman et qui prend les commandes. Une par les mêmes tout à l'extérieur qui se rapproche, Tant Autant qui se montre quelque peu brillant et que Private Jet qui a été quelque peu gêné, qui se retrouve parmi les derniers. Olivier Pellier a repris Salto qui est en toute dernière position. Mister Iceman qui a l'avantage. Une par les mêmes qui vient le relayer maintenant. Chopsoy qui est bien placé. Teen Horse qui vient ensuite avec Meguri. Tant Autant est un petit peu plus loin. Private Jet qui se montre brillant. Barochi, Gaspégiane qui sont au milieu du paquet. Rosanabad est en avant-dernière position et le favori de la course. Salto, deuxième du Critérium International en fin de saison passée, qui ferme toujours la marche. La fausse ligne droite, Tung Parliament qui a le meilleur. À trois quarts de longueur vient Chopsoy. Mister Iceman qui est troisième. Teen Horse en quatrième position. À son extérieur vient Meguri avec Tant Autant sur une troisième ligne côté corde. Glasvegiane qui patiente avec à son extérieur la présence de Barochi, Travel Jet, Salto et Rosanabad occupent les trois dernières places. La ligne d'arrivée avec Tung Parliament qui a toujours l'avantage. Chopsoy qui vient à son extérieur. Meguri qui essaye également de progresser, suivi par Barochi avec Salto qui est cadencé à cet instant par Olivier Pillier. Rosanabad qui cherche l'ouverture à l'image de Tant Autant côté corde avec une Parliament côté corde qui est dominée par Chopsoy, Mister Iceman, Teen Horse qui n'ont pas l'ouverture, Meguri qui rentre dans le rang avec Barochi maintenant qui passe à l'offensive, Glasvegiane également qui s'annonce à l'extérieur avec Salto qui tente de venir, rien n'est joué à 100 mètres du but avec Barochi qui a le meilleur, Glasvegiane maintenant qui place son attaque tout à l'extérieur avec Glasvegiane qui va s'imposer. La deuxième place est disputée à voir entre Teen Horse et Rosanabad. Glasvegiane remporte ce prix de Fontainebleau. Il l'emporte associé à Stéphane Pastier. C'est la casaque du Prince Abdullah. C'est l'entraînement de Pascal Barry qui est à l'honneur. C'est l'élevage Jotman Farms, bien sûr, qui brille avec ce fils de Selkirk. La deuxième place, vraisemblablement, pour le numéro 2, Rosanabad, qui a bien conclu. La troisième place, a priori, regardez le passage du poteau. Voilà, c'est bien le 2 qui est deuxième. La troisième place pour le numéro 8, Teen Horse. On a ensuite le numéro 5, Barochi. Et le numéro 3, Meister Iceman, Salto, lui, terminant vraisemblablement sixième pour sa rentrée aujourd'hui. Alors, succès de Glasvegiane qui est venu s'imposer.